c'est ma chance, on se retrouve sur Uncharted 4, sur PS4 bien sûr. Alors là, on joue avec Nathan Drake dans son enfance. Hop. Allez mon petit Drake, allez. Allez t'es jeune. T'as encore toute la vie devant toi, allez. Comment ça, on a 10. Sam, attends. Ok, attends. Oh. Putain. Ah ouais, oh. Wow. Attends. Drake, t'aurais pas dû faire ça. T'as pas dû sortir de cette fois. Sam. Samy. Sam, mon pote. Ah, oh, Samy. Mon copain. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Petit frère, tu dis ça parce que je suis petit. Qu'est-ce que t'as là? Un bleu, je me suis battu. C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce Attends, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges? Il va falloir que t'apprennes à en rire. Il a raison. Ouais, pareil. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord? Tiens. Bah, pas t'enrhumer. Oh, merci. Et en plus, il est beau ton manteau. Genre, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Ça donne de la classe. Merci. Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les filles. Bah, j'ai une surprise pour toi. Mais ça pouvait pas attendre Noël. D'accord. Quoi? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles? On va dire que c'est une exception. Oh, mais. Ah, crétin. Attends-moi, photo! Ah, ah, Edouard, je suis cours en pâte! Allez, donne-moi ta main. Au secours! Merci. Genre le mec, Edouard, je suis cours en pâte. Bah, go, hein! Je suis passé une sorte de recette débile. Merde! Ah ouais. Sam! Attends, beau connard! Attends, attends, moi je suis. Attends, moi je suis en sixième, toi t'es en quatrième, mais oh, ça vaut pas! Merde! Regardez où? Je veux pas me sentir coupable. Ah! Il est là! Attends, ton doigt m'a cassé! T'as appris ça où? Je suis déjà grimpé, mais bon. Par contre, en vrai, je fais ça, j'ai peur, et je vais mourir. Oh, ouf! Alors? Attends, 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 oh, je vois sur le CM2, en 6ème! C'était fastoche. J'ai le dit, connard! Attends, poteau! Qu'est-ce que tu veux? Merde! La vie, c'est fermé, hein! Si, si! Tu devrais un peu plus faire tes muscles, hein! T'es tout maigre, on dirait Squeezie. La voie désert. La voie désert? Non, t'es fou. Viens, suis-moi. Regarde. Ça. Crâneur. Et maintenant, prends la voie désert. Tu as jamais fait ça avant? Bonjour. Merci. Ah, ok. Allez, 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 attends, t'es fort. Voilà. Au secours! Hop, merde! Cristal? Non, non, plus tard à la mise à jour, pas maintenant. Non! Je suis échappé de ma chambre! Et avant de te retrouver, c'est ça qui est génial! En plus, tu m'as fait des signes. J'ai envoyé, attends, je suis. Maxence, attends, j'en fous. Oh, oh, gros con. Oh, con. Il suffit de pas y penser. Tu vas y arriver. Ok. Ah, je te tiens. Tu vois, c'est pas compliqué. Gros putain. Attends. Moi je suis à 1m60 en haut. Je suis à 65 mais. Mais c'est bon là. Doucement, toi tu fais 1m60, tu fais 1m80 presque. Oh, doucement. Te fous pas de ma gueule, forcément tu joues plus haut que moi, connard. T'as trop joué Assassin's Creed, poteau. Ah, rien de combat. Ta gueule. Au secours. Alors. Si on va falloir sauter. Ok.
je déteste ma croupière, putain, ça fait mal aux jambes. Oh merde, putain. Ah. Ouais, tout doucet. Non, mais con. Ah non, merde! Ça... Ouais. Vas-y, passe devant. Ok. Arrête de jouer! Oh! Allez, Samy, fais mieux que moi! Mais moi, j'ai vendu plusieurs fois, quoi. Ok, je savais pas ce qu'il va aller vers quand je me disais, ouais, je vais me casser. Hé hey, il m'a poussé la foire. Tu m'as poussé, connard. Allez, vas-y, grimpe au clocher. Je peux pas sauter d'aussi haut. Ok, dans ce cas, je me tourne. Ah, putain. Connard. Mais en même temps, t'as dû faire 1m60. Ah. On a une belle vue ici. Ouais. Ouais. Ah ouais. Yo. Ah. T'es déjà monté ici, maman? Sur ce toit en particulier? Non. Mais tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Oh là là, j'aurais pas dû te suivre. De toute façon, c'est la mission, on est obligé. Du coup. Mais en vrai, je t'aurais pas suivi. Connard. Bâtard de primeur. Je te suivais pas, connard. Ok. Oh putain de merde! J'ai failli mourir à cause de tes conneries deux fois! J'ai réussi. Ouais. J'ai pas donné. Ouais. Ouais, connard. Je suis con! Si tu passais devant? Non! Ah! Ah. Oh, merci. Ouais, merci. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. T'as vu, les gros? Sûr, Nathan. Ok, merci. C'est parti. Oh. Ah ouais, quand la main est tendue, vous pouvez sauter et vous accrocher. Ouais. Ok. Trop cool. Wow, en plus les beaux graphismes! Waouh! Après toi. Ah, ok. On descend. Wouh! 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 Alors, Samy, on l'a fait, hein? En moins de deux. Merde. Comment tu la trouves? Waouh, hein? Wow, belle moto! 1250, non mais ça va pas, c'est une 500 cm cube. Oh, ok. Cylindre, mais on dirait une moto des années 70. On est en 2016 là, Samy. Hey. C'est pas très sympa ça. Mais justement, puisque tu abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, tu l'as volé, ouais. Quoi? Je peux avoir de merde, moi. Faire un truc de genre, si tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max. Et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte. T'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine de faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans 2 ou 3 ans, tu seras... 2 ou 3 ans, tu rigoles. Je veux venir avec toi. Non, je l'ai déjà bien. T'as mon meilleur ami. Mais je veux bosser. Je sais que... Pas que je avec Ryan. T'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qui est de mieux pour toi. Tu comprends? Je te laisse, fais-moi confiance. Tu es en 4e, t'as même pas 16 ans. On n'a pas eu de chance dans la vie, mais... Ça nous a pas arrêté. T'as pas de chance. Ah ouais. Enfin, ça t'a pas arrêté, ouais.
Tu sais, j'ai une PS4, hein, c'était pas la seule surprise de la journée. Compris. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Oh? Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté. Dans ton cul au fond à droite. Ça te dit si on allait les récupérer? Ouais, tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du mal puisqu'on a récupéré ce qu'il y a mis. Ça m'étonnerait que. On va voler du poulet KFC! Non, je déconne. On va voler du KFC! Allez, bon! Non. On va voler quelque chose, moi j'en refais, champion. Carrément. Je trouve un trésor. On se retrouve 20 ans plus tard après mon enfance. Je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. Ouais. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler? Je suis sûr que là. Ah, j'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. J'ai trouvé l'autre caisse. Tu l'as trouvé, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Allez, Kessoun, va avec tes copines. Et voilà, et une caisse de sécurisée. Pile poil, on est juste en dessous de toi. On descend les algues. Voilà, ça descend. Pendant le ciel. Ok, on vient de chercher un peu de patience.
Je peux bien descendre. Doucement. Je vais balancer au calme. Allez. Allez. Ça fait du bien dans le truc. Alors ça va, Nate? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Ouf. Super. Hein? Oh, elle est légère cette bouteille. Eh, avoue que je te fasse une idée. J'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, j'en peux plus. Ah, tu sais ce qui est impressionnant? L'odeur. Arrête! Je suis pas trop, moi j'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. Oh! Et je t'ai cassé, mon gars! Je vais lui dire que t'as dit ça. Comment ça va là-dessous? Balance. Espèce de fiotte. Ouais. On en parlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as. À toi l'honneur. Alors ? Oh, merci. Ouais, bien sûr. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Hein ? Allez. Oh ! Joli butin. Wow. Tu veux pas me faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. C'est la première tournée. Chérie, je suis rentré. Au bureau, quoi. Voilà. Hey, Nate. Quoi? Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur les pavots au large des côtes malaises. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là, il a les autorisations? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais déjà moi je t'ai pas fait de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? Non, mais il n'y a pas les autorisations, alors non. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. Vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous fait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre les copains. Tes copains, monsieur. Bizarre que j'ai récupéré. Ah ouais, le truc qu'il a découvert au cours de sa carrière. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de celui-là. Ouais, bon, Jordan 1. Ouais. Une équipe. Ah ouais, Nathan avec un fusil à pompe et la nage solide. J'ai trouvé ça dans mon vieil appareil photo, mais pour ça, tu veux bien l'avoir. Ah, ça fait du bien. Un tournoi espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Je crois que c'est dans le 1, ça. J'ai jamais joué aux trois premiers.
J'ai escaladé ton grand frère. Je sais pas lequel c'était ça. Oh, un pistolet à eau. Oh, un pistolet en plastoc. Fini à écrire. Ouais. Ok. Je mange, chérie. Bon. Waouh, c'est cosy chez toi, Nathan. Ah, Nathan. Chérie, je suis là. C'est vraiment longtemps là-haut. En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant? Alors. Non, je te jure. Le terre ou de l'oasis? De l'oasis. Ah oui, pas de problème. Super. Je boirai cet oasis plus tard. Tiens, chérie. Des boulettes de viande avec des spaghettis. Voilà, c'est fait. Oh. Alors, tiens, c'est moi qui les ai cuisinés hier. Tu sais, c'est sûrement trop long et pour être coquille, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, une journée. Quoi? Quoi? Parle pas la bouche plus ouverte. Hein. Non, grosse trouille. Excuse-moi. Alors, et ta journée? C'était sympa. Mmh. Un jour comme les autres au paradis. Mmh. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Mmh. Ouais. Alors t'as eu la chance de t'aimer sur YouTube. Et t'as eu des ordures intéressantes? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Mmh. Superbe. Apparemment les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas. Voilà. Mais bon, rien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben. Au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu me sentais directement entré dans tes poumons de la Nathan. Aïe! Quoi? T'étais où? Chérie, ça fait mal! Là, agressé à la fourchette. Ah, vraiment? Quoi? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article? Hum? Quoi? Celui-là. Mm-hmm. Les vols à Bangkok? Qui sont qui ont des problèmes à cause de la pollution, qui ne peuvent pas atterrir. Wow. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, c'était j'étais quand vraiment même loin à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie. Hein. Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan.
Tu l'as pas vu depuis bon, quoi? Elena. Deux ans? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie? Tu veux le jouer contre moi? Ouais, ouais, mm-hmm. Oui, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je sais pas, mais tu peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça mais s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, j'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et savoir que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Bah bien sûr, tu le fais tout le temps, crétin. Toi, espèce de poule mouillée. Il est drôle, quoi. Ouais, mais j'ai une. J'en ai une. Ok, regarde. J'en ai une, en haut, je vous ferai des vidéos dessus, vous inquiétez pas. Bah, j'en ai déjà fait une. Ça va écraser mon découpe, je suis sûr. Quand en plus c'est Naughty Dog. Quelle impatience. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Oh, mais. Parce que t'es impatient. Ouais, la raison. Quand j'allume un truc, j'aime bien. Ok, c'est parti. Oh, crashy. J'ai pas le rang, c'est génial en plus. Est-ce que t'as un problème? Non, 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 c'est juste que... Comment on fait démarrer? Appuie sur la touche. On dirait mes grands-parents devant une console. Bon, alors le but... Ah non, je peux jouer avec les joysticks. Courir vers la caméra. Mais sur la PS1, on peut jouer avec les joysticks, en principe. On peut jouer avec les joysticks avec la Play U, non, non. Ah non, là, Naughty Dog, là, c'est pas vrai. Hein. Non, putain. Laisse pas le rocher. Au secours! Un renard. Au! Ta gueule, Nathan, c'est pas un renard! Bien, bien, et voilà. Putain, je le devrais bien. Tiens, prends le fouet là. Ça sert à quoi? Tu en auras 100, tu gagnes pas une vie. 100 fruits? Mais personne n'attendra. C'est 100 fruits? Ouais. Pour en sortir. Non. Ça sert à rien. Oh non, j'ai pas battu son score. Quoi? Ça s'arrête là? C'est ce que tu voulais? Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si mauvais joueur. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Ah ouais. T'as ouais. Vraiment l'intention de me... Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi tu vas faire? Je vais te montrer. Moi, je vais te montrer. Mais qu'est-ce que tu dis ça? Hein? Hey, est-ce que tu es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Un bisou! Un bisou! Un bisou! Tu rigoles? Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Un bisou! Ouais, un bisou! Un petit bisou! Oh! Je regarde mon petit ordinateur devant mon bureau. Ah, putain. On n'est pas encore ouvert! Ta gueule. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Ok. Fais chier. Monsieur, cassez-vous. Oui, je peux vous aider. J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Sam?
Il doit être aussi grand. Mon gros, mon copain. C'était en tôle. Et carrément moins grisonnant. Sam. Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam. Non, putain. Samy. Comment? Enfin, je te croyais. En tôle. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois. Ah ouais, en tôle. Ah non, j'avais la marque. Le docteur est mort. Enfin, docteur. Encore un pistolet, puis. Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais. J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir, de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Bien sûr, ça veut. Bah alors, tu restes avec moi? Ouais. Ah ouais, ça veut juste sortir. Ça fait au moins 15 ans que je t'ai pas vu, mon pote. Ah non, enfin, depuis... Ça fait au moins... Ça fait 10 ans que je... Ça fait 5 ans que t'es en tôle. Ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant moi? Voilà, on se calme. Hein? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? Non. J'ai appelé des connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Oh. Quoi, par exemple? Tu t'es pris une balle. T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte-moi ce que j'ai raté. Tu savais ça. Par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok. Ok. Bon, est-ce que tu te rappelles, tu sais, ce très bel astrolabe qui avait appartenu à Sir Francis Drake? Oui, celui que. Comment il s'appelle? Il avait volé à Carthagène. Marlowe. C'est ça, Marlowe. Bah, j'ai remonté sa piste. Et tout ce que j'ai aimé à faire, ça a été de me faire passer pour mort. Un vrai jeu d'enfant. Oh! Qu'est-ce que je peux te dire? Notre cité perdue a été détruite. Et ils sont les sortis vivants? À peu près. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique malade, et on ne sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. T'as dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Payé les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Et oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Michel, il va falloir que je lui balance tout. Attends. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi? De quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est le baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu dis pas ce soir? Samuel, viens ici. Nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal.
Nous, on a de l'ambition. Oh. Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Oui, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avry? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Oh! Seigneur Kassel, nous sommes là. Ok. Oh. Qu'hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? Oui. Vamonos. Oh. Alors voilà comment mon pote Sam s'est échappé de prison. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Ah. Merci. Est-ce que tu te souviens comment ça marche? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector, si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Carlo. T'es malade? Ne m'aide pas, Samuel. Non. Je te veux confiance, là. Et je suis armé, mais pourquoi tu n'as pas confiance? Soit on est mort.
merde. Vite, allez. Vista, prison de merde. Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. Merci. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi. Trouver mon frère, je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'abri? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près. En fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même une carte. Solide, d'accord. Attends. Non, attends. Hé, doucement. Ah merde. Non, c'est bon. Au secours. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il faut juste un peu de temps. Permets une coutille. Tu vois, le problème, c'est que... Oh. Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu crois. Je vais le retrouver. Je te promets. Combien de temps? Oh non! Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 6 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 6 mois. La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 6 mois. La moitié du trésor. Viens. Oh. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je ne te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Oh. Oh putain, ça fait mal. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein. Vamos. Et quand je l'aurai trouvé, je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel. Ah merde, on est dans la merde. Donc, Alcazar m'a laissé ma clé.
me sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste comme on l'a laissé. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Ralph a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Ralph n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et je te parie que Ralph n'a pas trouvé ça. Ouais. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. Ouais. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Ouais. La vie, elle est fabriquée plusieurs mois. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée pas demain se trouve encore très certainement dans celle-là. Mm-hmm. C'est incroyable, hein. Où est-ce qu'elle est? Oh. Alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours. Au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais? Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah. Hein. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je trempe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Bah, je sais pas, moi. N'importe qui, Charlie Cutter. Non, mais si, non, c'est mieux, j'irai voir pour un truc comme ça. Bref, il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Non, Sam, je ne fais plus ça. Sauf lui. Forcément, un autre moyen. L'acheter. Arrête de fumer, Sam. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas entendre tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ces belles bagnoles. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se racontent. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, il stocke les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors, tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était tous les deux. Ça. Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam, il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il ne ferait jamais ça. Non, t'es pas toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous, mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non, écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi.
Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Bon, il faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Attends. Tu vois ? La confiance. Mais quoi ? Et c'est pas ça les transports qui... Putain. J'aime pas quand c'est fermé, je peux pas quand c'est un peu ouvert. Merci. Sinon je me touche, j'ai l'impression. Aïe. Oh. Ouh. On va aller un jour. J'arrive pas à croire que je suis sorti. J'arrive pas à croire que je suis ici, avec toi, en Italie. Ah bon, moi non plus, moi mon pote. Cela dit, j'aurais préféré que ce soit dans des circonstances plus agréables. Ouais, moi aussi. Mais sinon, il y aura pas de jeu. C'est plus sympa, les petits boulots à chaque fois. Avec celui-là. Bah. Oui. Je lui fais confiance, putain. Tu peux l'attendre avec la corde. Oui. C'est à moi que tu poses les questions. Oui, bien sûr. C'est un peu ça. Je ne fais que ça. Bon, bah. Raté. Bah, tu vois, tout est dans le poignet. Ta gueule. Ouais, ta gueule, Sam. T'as vu ça? Waouh, un vrai pro. C'est ton tour. Attention. Coucou. Changeons de place. Ok, grimpe sur moi, j'ai une bonne prise. Ok. Ok. Attention. Ok, c'est parti. Du premier coup. Arrête un peu de te la... Ta gueule. C'est le jeu qui a voulu ça, c'est pas allez, moi. Attends. À mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. Ouais. C'est bon, j'arrive. Hop. Aïe. Hop. Hop. Alors, mission impossible. Tiens. Des grosses mitraillettes. Non confondre le logo du nazionale con la realtà. Ok. Juste c'est contre l'alerta. Non mais c'est pas vrai, t'as vu c'était... Il est armé jusqu'au temps, c'est pas vrai. Bah... En même temps c'est pas une soirée ouais, chez... Chez le boucher du coin hein. L'odeur d'un citron frais. Attends, on est un peu trop près là. Voilà. Faire de la moto par exemple. Des petites choses. Non, on est. Bon. Allez, on y va. Ça devrait tenir. Joli. Allez, on descend maintenant. Putain, ah non, c'est... Il est tombé ou quoi? Alors, les fameuses découvertes. C'est vrai que j'ai marqué. Comment t'as fait des photos? Sam! J'aurais bien voulu. Elena avait des vidéos. Ma caméra n'a pas survécu. C'est dommage, ça. J'ai quelques dessins, quand même. Dès qu'on rentre, je te les montre. Comment ça, t'as des dessins? Et ils sont aimantés sur le frigo? Quoi? Mais non, je suis oh, j'ai trop hâte. Comment on fait? T'as pas intérêt à rater ton coup. Ah, c'est bon, le son. Ouais, je sais. Le son est redevenu normal.
Je dis pas ça pour faire mon intéressant. Je vous montre un gameplay là où ça déconne, où le son déconne vraiment. PS, baissez le son de votre ordi. Ça fait mal aux oreilles. Pour ceux qui n'ont pas baissé le son, bah je l'avais prévenu. La preuve que c'est que je déconnais vraiment pas. C'était vrai, du coup. Retour au jeu. Ça, ça m'aille. Allez, on monte et on monte toujours plus haut. Allez, donne-moi la main. Voilà. Ça y est. Allez, on enlève notre tenue de... Nathan. Mais quoi? Le con. Oh, ouais. Attends, mais quoi? Allez. Oh, les vêtements qu'on met sont trop bien fluides. Ok. Ça va? Ouais. Quoi, j'ai l'air d'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Allez. Waouh, Nathan Bond. Ou alors... Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Sully. Ça fait un bail. Oh, trop longtemps, mon gars. Ça fait 2 ans, ça va. Tu te souviens de mon frère, Maccabé? Victor. C'est pas incroyable. Ah, il s'aime pas. 15 longues années. Ouais. Content de te voir en vie, Sam. Essayons de garder en vie en récupérant ces trois, ok? Ouais. À ce propos. Genre, Julie, ils sont en J'ai un truc à vous montrer. Ils sont contre balestèques de la vie de Sam. Regardez. Ah. C'est la croix de la vie. Quelques minutes avant notre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lois. Faut un sacré paquet de frites pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution. C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Le tableau électrique de ce manoir. Mission impossible. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Ouais, mission impossible. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on aura que quelques secondes pour faire ce qu'on va faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. C'est ça, tes signores. Un petit pasty? Ça va, merci. Non, merci, madame. Salut. Comment ça va? Sam, pas maintenant. T'arrêtes tes conneries. Garde ta bite dans ton caleçon. Un serveur se ferait pas remarquer. Garde ton pénis dans le caleçon. Hein? Oh. Ouais, ça devrait marcher. Heureusement, je vais le faire. Il faut que ça marche. Oh. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit, n'inquiète pas. Oui, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, ouais, suivez-moi. Let's do it. On va couper par la cave. Ouais. Wow, t'es classe, Nathan. Regardez-moi ça, Nathan Bond. Ah, dégage. Putain. Mais dégage. Putain. Je l'ai vu. Nathan Bond. Je suis agent secret. Drake. Nathan Drake. Ah. Je me suis pas trompé. Attends-moi, celui. Celui, putain. Attends. Attends-moi, mon petit celui. Je remonte mes manches. Voilà. Je l'ai tué, madame. Je l'ai tué aussi. Ouais. Ah merde. Attends, celui. Attends, celui. Pardon. Non, putain. Madame, poussez-vous. Connasse. Merde. Celui. Il est où? Celui. Merde, je l'ai perdu. Celui. Allô,
Merde, Sully. Est-ce qu'il est Sully? Ah, c'est le coup. Genre, merde, j'ai perdu Sully. Sully. Ok, c'est parti. Oh, merde. Putain. C'est fermé. Oh, et pourtant, c'est putain. Bon, et alors? On peut la forcer? Non, c'est électronique. Il va falloir trouver un... Cretin. Putain. Bonjour. Ah, je vais voler la carte. Sauf que je suis pas un super bon pickpocket. Bonjour. T'as vu ça? La carte bouge à rien. La cacate. Je m'en charge. Voilà, voilà, voilà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois. Ok. Allez, allez. Non, non, non. Non, connard! Bouge pas, connard, tu bouges pas. Non, putain. C'est pas vrai. T'es sûr que tu veux pas un coup de... Non. Je m'échauffe, c'est pas que... Mais j'ouvre pas, c'est ce connard qui se dit toute une distance. Tu sais, moi je fais diversion, toi tu prends les clés. Ouais. Vas-y. Où est-ce qu'il est ce bâtard de cerveau? Je bougeais de la table, monsieur. Hé, hey, bouge. Fais le tourner. Samy, putain, allez. Qu'est-ce que tu fous? Ah. Oh, pousse. Mais pousse, mais nique ta soeur, pousse-toi, là. Putain, j'ai obligé de faire le tour à cause de ces connards, alors qu'ils veulent pas me laisser passer. C'est moi que je rentais des fois. Merci Samy. Nathan Drake, la classe incarnée. Ouais. Oh merci. Allez. C'est très gentil celui. Les filles, je t'emmerde celui. Parfait. Ok. Ok, voilà. Allez, comme James Bond. En plus que je m'appelle Nathan, Nathan Hunt. Bonne chance. Nathan Hunt, Nathan Drake. On a les mêmes prénoms. Bon. Pendant que celui est en train de fumer tranquille sur ce gars, à nous dans les poumons. Ah. Bonjour Victor. Bonjour Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il ne s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître quand on t'a aidé. Ouais, tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se comprendre. Bah oui, D'ailleurs, en même temps, ici, c'est une soirée de snob, hein. Je ne raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Bah, si en Italie, connais. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose. Allez, au whisky. Comme The Rocks. Je reviens vite. Oh, celui, il est trop classe, hein. Il est marrant. Nate, t'as entendu tout ça? Ouais. Bah oui, je suis pas sourd. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui cette dame, c'est Nadine Ross. Ouh. Nadine Ross. Tu vas chourer, hein, celui. Ah, non, non, non. Costa, moi, je peux pas, malheureusement, parce que je suis marié. Ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaye de ne pas t'attirer d'ennui. Ouais. Et essaye de pas... Ouais, essaye de pas la chouer. C'est parti. Enfin, je trouve... Wesh. Merde, des cartes. Non, que des gorilles armés jusqu'aux dents. Bah... oui. Oh, chou. Je m'entraîne. C'est fermé, évidemment. 2013, il y a marqué dessus. Ça fait 3 ans déjà. Pourquoi 2013 d'ailleurs? Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdra pas. J'adore le nom de Naughty Dog. Ça va l'affaire. Toujours une bonne idée d'avoir un fumeur avec soi.
Oh, oh t'es con, Nathan. En fait, ses conduits est peut-être caché par ces tonneaux. C'est pas un peu inquiétant que Victor drague Nadine Rose. Tu sais, il y a des histoires flippantes qui courent sur elle. N'inquiète pas pour celui. Je veux sortir de n'importe quelle situation. J'ai compris. Surtout que personne ne vient m'aider. Je tiens le briquet. Je tiens le briquet. Connard. Bien joué. Bon, allez, on grimpe. Bon, ça va, c'est... Et voilà. Allez, commandant Yann. C'est plus serré que ce que je pensais. Et plus sale aussi. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui disent où c'est good, Yann. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon piège au cristal. Sauf que lui, il a accroupi. Moi, à sa place, j'aurais rompé. Parce que être accroupi, ça fait mal. Allez, oui, souris. Allez, après toi, mec. Genre, chut, connard. Mais bouge ta mère. Oh, toi, hein. Allez, bouge. Mais nique ta soeur, bouge. Allez. Bah faudrait déjà arrêter de fumer avant que tu dises ça, hein. T'as dit quoi ça? Tu vois le bâtiment avec la tour radio là? Tu veux dire la tour de relais? Bah oui. Je la vois, je suis pas aveugle. Ouais, t'as raison. On vous trouve un moyen de passer cette porte. Bah bien sûr. Là bon, je vais t'aider à monter. Allez, viens. Vas-y. Je te mets la courte échelle, comme à l'école. Hop. Oh, à l'école, parfois ça arrive quand on met le ballon de l'autre côté. Et ben on fait ça. Donc il récupère. Allez, je suis bon, j'en perds un peu. Ah, merci. Si, on va aller chez moi. Viens de sortir de la cave, on se dirige vers le local électrique. Ouais. Comment ça se présente? C'est lui? T'es là? Oh, pouf! On va avoir du mal à capter là où il est. C'est mieux. Ok. Allez. Allez! Et là, comme si il n'a pas assez de peau comme ça, il y a un serveur qui va sortir, c'est ça? Qu'est-ce que je disais? Oh merde, le con. En plus, il ressemble beaucoup à Sam, enfin, je trouve. Bonjour. Buena sera. Qu'est-ce que t'as fait? Ouh! Aïe. Tu vas se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Bon, ok. Hasta la vista. Tout va bien? Ça va. C'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. C'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Je peux plus respirer. Ah, quand même. Là, c'est sûr qu'on est plus à l'aise dans ce tuto, là. Bon, je retourne à la salle de bain avec mon malade. Ouais, bah non, le mode des pantalons trop serrés, moi, je trouve ça débile. Sam? Allô. Salut, à bientôt. Tout va bien. Se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Ah, Rick, ça me fait Victor, c'est lui. Ah, Victor. Ouais. Ça
fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Non, 15. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment? Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as ta bonne mémoire. Oh, tu veux toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots. J'aurais un bon point de vue. Tiens, dors. Wow. Ils sont malades en Italie, ils roulent comme de la merde. Ouf. Ok, comme sur des roulettes. Personne ne m'a repéré. Jouer cool et sortir d'ici tranquille. Bonjour Nadine. Excusez. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là? Bah vous non plus. Oh, mais vous non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous ne dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Non. Et tu vas me le donner immédiatement. Non. Vraiment? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Ouf. Aïe. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Arrête. C'est quel crucifix? Eh, hey, tu peux des pieds. Enlève pas tes chaussures. Je suis un gentleman. Parce que c'est là. Oh. Commence. Là, je vais frapper. Ok, c'est bon. N'oublie pas. Je voulais pas faire ça. C'est parce que... Allez, Drake. Hein. On est gentleman. Oh. Oh putain, mais... C'est trop délicat. Dégage. Pas mal tenté. Arrête. Tu peux des pieds. Arrête. Tu fais mal. Aïe. 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 Au secours. Aïe. Au secours, appelle la police. Tu sais que tous les artefacts qui sont là, ils ont été volés. Leur vraie place est dans un musée. Tout de suite.
Yahoo! Attention! Oh merde! Oh putain! Oh! Salut! Salut Sabi, hein, me remercie pas surtout! Non? Ouais non plus! Une balle! Ok. Ah, sens et sa tête de mort. C'est évident. Ce sont des dates. Hein bah oui, il a raison, Nathan. 1659, c'est l'année de naissance d'Avril. 1699, est-ce que vous l'année de sa mort? Oui, d'après la plupart des récits, ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avril à la cathédrale Saint-Dismas. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais après tout ce que vous avez vécu ensemble, elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Les choses ont changé et Raif est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu. Ce qui est parfaitement vrai. Ok? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Nathan! On ne ment pas à sa femme. J'espère que ma première vidéo sur Uncharted 4 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et sur ce, je vous dis, envie d'autres scènes. En plus, c'est ma première vidéo sur la PS4, donc je suis content, quoi.